Wesh l'équipe, c'est TNR, je te spawn une vidéo de glitch sur GTA 5 Online. Donc un glitch créé par moi-même, une exclue. Donc les potes, pour ce glitch là, en fait ça va être un glitch tout simplement. Vous allez avoir une blinde d'argent, c'est un glitch d'argent. Donc pour ce glitch, je vous conseille d'avoir un véhicule Bénisse, parce que tout simplement les customisations des véhicules Bénisse, les roues et tout ça, ça coûte cher. Et du coup pour le véhicule que vous allez obtenir à la fin, bah il va coûter plus cher. En fait, plus vous avez un véhicule avec des customisations qui coûtent cher, plus le véhicule à la fin que vous allez avoir, il va coûter cher. Donc là, pour ma part, j'ai utilisé une Italia GTB Custom Bénisse. Donc d'ailleurs, si vous voulez, c'est une technique aussi pour modder vos véhicules. Si vous voulez les roues Bénisse, vous prenez un véhicule Bénisse. Et puis vous pouvez modder, vous pouvez mettre la roue dessus. Bon, là pour ma part c'est un glitch d'argent, donc là je pourrais pas vous montrer l'argent que j'ai gagné avec le véhicule que j'ai utilisé, car pour ma part j'ai déjà vendu une Lady RH8 avec ce glitch, mais les Lady RH8 je l'ai vendu plus de 100 000 $, comme vous voyez dans l'argent sur l'argent que j'ai sur moi. Je l'ai vendu plus de 100 000 $ avec et j'ai utilisé ma petite croquette classique modée là. J'ai utilisé celle-ci, du coup là je vais utiliser la ITLR GTB. Du coup pour ce glitch il vous faudra un véhicule qui a les custom, plus un véhicule dans la rue qui va prendre les custom. Et puis il vous faudra une arène et puis un atelier de custom, il faudra rien d'autre. Du coup pour ceux-là qui peuvent pas faire de duplication, bah utiliser cette technique, comme ça au moins ça vous fait de l'argent sans multiplication, et puis ça prend moins de temps que les multiplications. Par exemple, si vous pouvez plus vendre de véhicules comme moi, ce que vous faites c'est que vous allez tout simplement le stocker dans un garage et plus tard vous allez le vendre. Donc là pour ma part j'ai mon véhicule que j'ai envie vous mettez le véhicule où vous avez envie enfin où vous voulez transférer les customs sur notre véhicule. Du coup pour en passer là l'Italia GTB, vous allez en fait avoir besoin du R520. Donc je vous explique, vous allez vous mettre environ ici, vous allez courir en même temps, appuyer sur flèche de droite. Du coup parfois c'est galère à faire. Du coup là je cours, j'appuie sur flèche de droite, du coup vous voyez ça n'a pas marché, ça n'a pas bugué. Je cours, j'appuie sur flèche de droite. Du coup ça peut être long comme procédé. Donc vous devez en courir en même temps et puis appuyer sur flèche de droite. Donc parfois tu peux rester du premier coup, comme parfois tu peux te fail. Il faut aller près du récemment du taux. La difficulté du glitch c'est qu'il faut en même temps avoir un doigt sur flèche de droite et en même temps courir. C'est la difficulté du glitch. Donc c'est la seule manip que vous avez à faire. Donc aussi il vous faudra un mode de visée différent que l'ami que vous allez rejoindre. Du coup pour ma part, mon mode de visée est différent, mais je vais vous montrer comment faire, vu que vous savez déjà, vu que j'ai déjà fait plein de vidéos comment montrer, où je montre comment changer le mode de visée. Voilà, j'essaye. C'est plutôt dur. Voilà, là j'ai réussi tout simplement. En fait j'ai appuyé sur la flèche de droite et puis ça m'a directement fait quitter du menu du recevant du taux. Donc là ensuite vous allez faire, vous allez monter dans votre Italia GTB, il faudra changer une customisation. Donc là vous allez faire modifier, il faudra changer une customisation. Pour ma part on a déjà transmis pour un coup, je l'ai payé 1000 et la fenêtre je l'ai payé 500. Du coup ce que vous allez faire, là j'ai fait les fenêtres teintées, tu vas acheter les fenêtres teintées là. Ensuite tu vas remettre tes fenêtres simplement tuning, enfin custom. Et après tu vas faire option, amis. Et tu vas tout simplement
tu vas rejoindre les parties de l'ami qui aiment un différent mode de vie. Du coup, c'est pas obligé que l'ami tu parles, tout ça, que juste les modes de différents et qu'il fasse le chat. Du coup, là, il faut mettre un premier message, ensuite, il faut mettre un deuxième message, je vais faire. Vous allez faire rond, vous allez descendre YouTube. Donc là, vous allez prendre votre véhicule où vous voulez mettre le piston de la chaîne, peu importe si c'est YouTube de la rue. Donc là, ensuite, vous allez accélérer. Et là, voilà, il y a la customisation du véhicule qui s'est transféré. Du coup, vous voyez, j'ai bénis tout ça. Donc ensuite, vous verrez que vous ne pouvez pas aller rentrer le véhicule comme moi. Donc là, tout simplement, vous allez descendre votre véhicule. Ça va le faire disparaître. Vous allez rentrer dans le garage. Vous allez aller ici où il y a votre véhicule. Où vous avez votre véhicule. Et donc là, vous allez courir. Vous allez voir qu'il y a le véhicule où les customisations sont transférées. Et donc là, en plus, il est rebénis, il est modé. Moi, je vous conseille un véhicule avec des roues. Enfin, avec des. Un véhicule où vous pouvez mettre le rubénis parce que tout simplement ça rajoute beaucoup de prix vu que le rubénis a coûté cher. Et donc voilà, c'était Ténèbres et puis ciao.